Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, cette vidéo est une intro qui sera là pour plusieurs séries de vidéos, tout simplement sur. En fait, on a fait en live le nouvel event de Countdown des 9 ans, sur Dokkan Battle, la version japonaise. On l'a fait en live, on a fait un live à peu près d'une heure, on a fait quelques missions qu'on continuera dans un autre live dans la semaine. Et ce que vous allez. La série de vidéos que vous allez voir, ou peut-être le condensé de vidéos que vous allez voir, a été fait en live, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur en live. Je sais pas quand, en vrai je sais pas quand, parce que c'est pas encore fait, c'est le premier live que j'ai fait depuis fou bien longtemps, et surtout sur Dokkan Battle, donc je sais pas, je ferai peut-être un planning, peut-être, je sais pas, on verra. Bref, ce que vous allez voir est un condensé des games réalisés en live, place au game alors. Waouh, 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 non mais la gueule de la rotation quoi. Bon bah on y va. Allez. Ok, me spé pas s'il te plaît, ok. Ah, prends cher, on prend cher. Bon alors là on va faire ça, vu que son gameplay est basé sur l'esquive. Quelle bonne idée. Enfin ouais. Enfin j'ai réussi à faire les lives. Imagine. Après 5 ans, voire 6 ans sur YouTube, enfin je réussis à faire un live. Bien. Bien, bien, bien. Bon, je parle, mais en attendant, moi, je vais être concentré. Oh, prends les clés. Voilà. Sûr. Ah, il nous a pas stun. Eh bien. Tout, 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 tout. Bon, je peux pas le penser parce que j'ai pas les PV pour, mais bon, je vais faire ça. On va le debuff. On va le debuff en balle même. Il y a un chat qui apparaît à la caméra. Ah, il apparaît.
Voilà mon chat. Il va déjà ressortir. Bon là normalement le boss il est fini hein, le nombre de debuffs qu'on lui a mis. Ah j'espère, quand même, ça fait au moins 10 minutes qu'on est sur celui-là. Et là j'ai les bonnes rotations, c'est bon, c'est juste long. Ah, c'est long parce qu'on fait pas de dégâts. Voilà pourquoi. Bon, allez, on en finit. J'aurais dû enlever les animations. Stylé la carte, hein. Dommage que ça va à rien. Bon allez, on va mettre les gros dégâts. Je vais pas lui bloquer l'aspect, c'est pas grave. Enfin, bon, en tout cas, on commence bien, on commence avec une mauvaise rotation. Allez. Y'a pas de debuffer dans cette team, c'est un peu chiant. Enfin, y en a un, mais il est pas forcément entre eux, donc je l'ai pas mis. Même si je pense qu'on va finir très vite le niveau. Pas de spé, tu forces un peu le Goku. Spé, bon, c'est pas grave. Par contre, toi, t'as intérêt à spé beaucoup, hein, parce que sinon, tu vas prendre cher. Sauf s'il peut débuff, je sais plus. Bon, il débuff la DF, c'est déjà ça. Mais je sais pas si c'est une grosse réduction ou si c'est juste beaucoup de DF qu'il a le boss. Je pense qu'il a juste beaucoup de dev, donc plus tu le debuff, mieux c'est quoi. Bon allez. Je suis dans la merde avec Gohan Goten. Il va pas pouvoir spé. Non. Il va pouvoir spé. Il va pouvoir spé, mais bon c'est tout quoi. Il fera juste ça de la game. De toute façon tant pis, il me spé ici le boss. On peut prendre cher sur Gohan Goten, vu qu'on n'a pas le bien comme du Goku. Mustn. J'allais dire Mustn pas c'est chose faite. Mustn. Oh, 3 space, c'est bien. Ok. On va faire ça. On va faire ça et on va faire ça. Logiquement, si les persos écrits c'est terminé ce combat là. Enfin, ce tour là. Bien. C'est sur mon fil.
Et voilà, c'est terminé.